Donc les puits c'est prévu ouvert aujourd'hui. On attend juste l'arrivée du président du quartier. Madagascar est depuis 4 années touché par une très grave sécheresse imputable au changement climatique selon l'ONU. La plus grave depuis 40 ans. C'est le premier pays au monde à connaître la faim à cause du réchauffement climatique. L'organisation internationale estime à plus d'un million de personnes en situation d'insécurité alimentaire sur une population totale de 27 millions d'habitants. Le sud du pays, où la sécheresse a gravement mis à mal les récoltes et l'accès à la nourriture, est la région la plus impactée. Après, on referme les couvercles. Oui. Après les poses des pompes là, on va sceller les pompes et puis on met des chapes lisses sur la tête des margelles du puits là. Là, c'est un tuyau est prévu pour le tuyau du temps. On referme la couverte. Remets en moi la vie, Yeshua, cette vie que j'ai perdue, Seigneur. J'ai envie de revivre ces premiers jours avec toi, Seigneur. J'ai envie de revivre cette première passion avec toi, Seigneur. Comme le jour où tu m'as touché, Seigneur Père, alors que j'avais tout laissé pour te suivre. Seigneur, j'avais tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, parce que j'ai les grâces, parce que j'ai les bénédictions, je t'ai complètement abandonné. Seigneur, je veux revenir à toi, Seigneur. Yeshua, allume-moi la flamme. Après une longue attente, par la grâce du Seigneur, la construction du puits est enfin terminée. Les villageois d'Ambovambé l'utilisent déjà. Il est en béton et à 27 mètres de profondeur. Cette construction a coûté 5359 euros. Malgré les combats, Yahushua a accompli cette belle œuvre. Que toute la gloire revienne à notre Yahushua d'amour. Merci à vous pour vos dons et que le Seigneur se souvienne de vous. Pour ceux qui ont à cœur de soutenir notre mission, vous pourrez vous rendre sur notre site internet au www.labnr.org dans la rubrique « Faire un don ». Restons en prière pour cette mission. Association Yeng, famine dans le sud, association Yeng. Association famine dans le sud. Oui. Là, madame, veuillez remercier l'association famine dans le sud. Tiens.
plaque métallique avec l'autocollant vernissé. Ça va durer comme les autocollants collés avec les carrosseries des véhicules. Donc ça dure. C'est en qualité aussi. Ça, c'est du quartier des BA. Donc, je vous remercie, monsieur. Je me remercie aussi, l'association.